Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre série Une journée au boulot. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est grâce à ça qu'on est capable de vous faire des belles capsules, que ce soit Facebook, YouTube, partagez, commentez, envoyez à vos amis, on vous remercie énormément, énormément, vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, en fait on vous emmène sur le tournage qu'on a fait en 2019 avec mon petit frère Julio, sur notre premier long métrage documentaire qui s'intitule Normandie-Bretagne, une marée d'histoire. Aujourd'hui, on parle pas juste de plongée, on va en parler beaucoup, mais on va parler plus d'histoire maritime et on s'en va à la Cité de la Mer. Et qui de mieux pour présenter la Cité de la Mer que son président fondateur? Bien, moi, c'est Bernard Covin, je suis le président directeur général de la Cité de la Mer de Cherbourg, cité que j'ai conçue quelque part dans les années 1990-2000. Pour à la fois sauver ce superbe bâtiment qui est la grande gare maritime transatlantique de Cherbourg, qui a été construite en 1930 et qui était à l'époque l'un des plus grands complexes maritimes du monde pour assurer la liaison entre l'Europe et les Amériques, Amérique du Sud, États-Unis, Canada, de tous ces millions de gens qui partaient vers les Amériques. Tout simplement, ce bâtiment allait disparaître. Donc il fallait le sauver. Ça, c'est le premier élément. Puis à la même époque, le ministre de la Défense avait le redoutable, le premier sous-marin nucléaire français lancé par le général de Gaulle en 1967. Et ce sous-marin a été en fin de vie. Donc il fallait essayer de marier une cathédrale Art déco de 1930 avec le premier sous-marin nucléaire français. Bon, avec ça, c'est vraiment le mariage totalement impossible. Et c'est ma rencontre avec des plongeurs, avec les hommes de la COMEX en particulier, qui avaient inventé quelque part le travail sous la mer, que j'ai commencé à penser à un beau projet. Vous êtes ici dans cette grande nef, les engins sont arrivés les uns après les autres. Pour certains, ce sont les engins originaux, les engins de la COMEX, en général en jaune, mais aussi l'Alvin américain, les engins d'Ifremer, tous des engins ici qui plongent à 3, 4, 5 000 mètres et qui se déplacent. Le bathyscaphe Archimède, qui est le symbole des années 60, lui, il était capable de descendre à 10 000 mètres, mais c'était un ascenseur, en gros. Et puis le dernier en date, dont je suis plus fier, parce qu'on en a la copie unique au monde, c'est l'engin de James Cameron, le Deep Sea Challenger, avec lequel il est descendu seul, en solo, dans des très grandes profondeurs. Et ça, je trouve que c'est absolument formidable d'avoir pu reconstituer ici l'engin qu'il avait créé avec des ingénieurs australiens. Et cette copie a été faite au millimètre près, car vous connaissez James Cameron, c'est la rigueur, la précision. Le Redoutable, c'est le seul sous-marin au monde qui est visitable dans une version dynamique comme si l'équipage l'avait quitté une demi-heure auparavant. C'est pas tellement important de savoir à quel millier de kilomètres les missiles vont. Ce qui est intéressant, c'est comment 130 hommes peuvent vivre 70 jours dans cette boîte, enfermés, sans absolument aucune vision sur l'extérieur. Même dans les couchettes de luxe des hauts gradés, vous n'avez pas intérêt à mesurer 6 pieds 5 comme moi. Sinon, vous risquez de dormir les jambes pliées durant 70 jours. Et attention la tête pour rentrer dans l'une des 4 seules douches à bord. Nous avons été très étonnés de la complexité des centaines voire des milliers de commandes. D'ailleurs, mon frère a toujours pas réussi à faire fonctionner le drôle de micro-ondes. Ce sous-marin construit à Cherbourg, puisque là-bas, à ma droite, vous avez l'arsenal de Cherbourg qui depuis 110 ans construit tous les sous-marins français, et en particulier depuis les années 1965, les gros sous-marins nucléaires qui sont quand même redoutables, c'est 9 000 tonnes. Là, ce sont des gros cachalots géants et donc avec énormément de technologie. Sous le sous-marin, on a créé un parcours qui s'appelle « Sous le ventre du géant » et qui montre un peu aussi les fonctions, comment, toujours pareil, comment les sous-mariniers vivent à bord et arrivent à vivre en collectivité, parce que 70 jours, 130 hommes, ça va pas de soi. C'est aussi une extraordinaire histoire humaine, je crois que c'est ça qui est important. Au sein des 3 étages de ce pavillon des expositions permanentes de la Cité de la Mer,
Il y a 18 aquariums, dont ce dernier qui est derrière moi, qui est l'aquarium le plus haut d'Europe. 12 mètres de haut, 350 000 litres d'eau. C'est là que les choses sérieuses commencent pour moi. Je suis vraiment heureux d'avoir eu l'opportunité de plonger dans l'aquarium, déjà parce que ça m'arrive pas tous les matins, mais surtout parce que j'étais le premier à venir pour un tournage aquatique depuis leur rénovation. C'est le genre de plongée qui peut paraître facile, mais ça l'est vraiment pas tant que ça pour pas mal de raisons. La première, c'est que on plonge pas en aquarium tous les jours, puis on prévoit énormément d'images différentes pour pouvoir faire le film, et on n'a pas tant de temps que ça pour tout faire. Donc on est vraiment stressé de est-ce qu'on va réussir à faire toutes nos images dans le temps imparti ou pas. Donc faut vraiment être efficace puis être concentré là-dessus. Le deuxième élément, c'est qu'on plonge pas avec des palmes dans un bassin comme ça. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que évidemment, ça fait pas des milliers de kilomètres, donc on n'a pas besoin de nager outre mesure. Mais la deuxième raison, qui est vraiment la raison principale, c'est pour éviter de nuire un petit peu au décor, mais surtout pas aller stresser les poissons, faire des grands mouvements, etc. Ça, c'est sûr que pour quelqu'un comme moi qui plonge pas en aquarium souvent, là, ça fait un petit choc parce qu'on est habitué à avoir nos palmes pour la flottabilité, pour le déplacement, etc. Donc là, avec le caisson dans les mains, on peut pas faire de mouvement de bras et nager avec les bras. Donc c'est vraiment perturbant au début, ça demande un petit temps d'acclimatation. Et puis l'autre stress qui m'est venu un petit peu, c'est quand l'officier de plongée, au début de la plongée, m'a dit « Hey, attention Manu, si tu fais tomber un plomb, si tu fais tomber ta caméra, ou si tu coules puis que tu mets trop tout ton poids avec un choc sur la vitre, sur le fond du bassin, ça pourrait la casser. » Donc on est particulièrement focus sur ce qui se passe. Ce qui m'a vraiment impressionné avec cette plongée-là, c'est le bassin en lui-même. Au moment où on se met à l'eau, on arrive en face d'une grande vitre d'une dizaine de mètres de long. On commence à descendre tout doucement, puis on perd vraiment la luminosité comme si on était sur un milieu, un site naturel. Donc au début, il fait extrêmement jour, on est proche de la surface, puis après on s'enfonce dans une faille, etc. Donc on perd énormément en clarté. Les poissons changent aussi, tout change, c'est vraiment très très réaliste. Et au moment où on arrive au fond, on a cette vitre posée vraiment à nos pieds en fait. À 14 mètres là, c'est très 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 impressionnant. Donc c'est sûr qu'au bout de 10 minutes, une fois qu'on est dans l'eau, qu'on a pris un petit peu ses repères, on commence à déstresser un petit peu, on se dit que tout va bien. Puis c'est vraiment intéressant de voir la réaction des poissons. Il y a des poissons qui sont très territoriaux, quand on arrive dans leur espace vital, on va dire, ils viennent là, puis ils essayent de mettre une pression là pour dire non, 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 là t'es dans ma résidence, là je veux pas de toi ici, donc faut que tu partes. Donc ils font des petites manœuvres un petit peu pour impressionner. Donc c'est vraiment cocasse de voir un poisson de à peine 10 cm faire des manœuvres devant toi pour que tu t'en ailles. Et puis il y a d'autres beaucoup plus gros poissons qui sont juste curieux de savoir pourquoi t'es là, t'es quoi, puis ils viennent te voir vraiment proche, puis ils font juste observer. Donc ça c'est vraiment cocasse. C'est sûr que les poissons, ils ont l'habitude de voir des plongeurs puisqu'ils en voient vraiment plusieurs fois par semaine, que ce soit pour l'entretien général du bassin, que ce soit pour le nettoyage des vitres pour que les spectateurs ils puissent vraiment mieux apprécier. Le requin, les 10 premières minutes, il se mettait vraiment de l'autre côté du bassin pour m'éviter, et puis à un moment, il m'a juste confondu avec le décor, il s'approchait, etc. Il faisait plus du tout attention à moi, puis c'était parfait comme ça. Je pense que j'étais ben plus stressé que lui. Évidemment, j'ai trouvé ça extra de voir les enfants passer devant les vitres, faire des coucous, que je puisse leur retourner les coucous, de les voir triper, etc. Et je dois bien avouer que j'ai trippé largement autant qu'eux. On est toujours dans la même logique hein, au sein de la Cité de la Mer, c'est émerveiller pour éduquer, travailler sur le beau pour faire comprendre et sensibiliser à la fois sur le fait que l'océan est probablement le dernier territoire sauvage de la planète où nous vivons, mais aussi un océan fragile sur lequel il faut porter une grande attention en matière d'avenir. Donc on est plus dans un espace d'émerveillement, voilà. Faut pas se poser de questions, faut essayer de se purger l'esprit dans un monde qui est quand même agité. Et là, on est là pour contempler la beauté de la biodiversité et de comprendre qu'il faut quand même y porter une énorme attention pour que cette biodiversité demain soit encore là, au cœur de la vie des hommes. Je remercie vraiment beaucoup toute l'équipe de la Cité de la Mer, Bernard Covin pour son temps, pour les interviews, toute l'équipe dans l'ombre des communications, Lucie Le Chaplin qui nous a guidés, accompagnés pendant ces deux jours de tournage. La vidéo est pas sponsorisée par la Cité de la Mer, on n'a pas été payé par la Cité de la Mer pour faire ça. J'apprécie de collaborer avec des institutions comme la Cité de la Mer parce qu'on le voit sur le visage des enfants mais aussi des parents.
tout le long de la visite, c'est un émerveillement total. C'est des endroits qu'on n'aurait jamais pu voir sans ça. Et la muséographie, elle est faite dans un sens où elle nous fait prendre conscience de beaucoup d'enjeux qu'entourent ces écosystèmes-là, l'impact que l'homme peut avoir dessus. Il y a beaucoup d'institutions qui financent des programmes de recherche aussi, donc ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis je pense que ça crée des convictions. On le voit dans le yeux des enfants, là. Ça me rappelle moi, à 7-8 ans, là, qui, dans des visites comme ça, me dit « Waouh, ça doit être tellement fou comme métier, océanographe, explorateur sous-marin, etc. » Donc je pense que c'est des belles choses, forcément, sinon je serais pas là pour vous en parler. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes aussi nombreux à partager, commenter avec vos amis tous les épisodes de la série. Vous êtes vraiment nombreux à nous avoir rejoints depuis quelques mois. On vous en remercie, il n'y a que grâce à vous qu'on est capable de continuer, donc c'est vraiment extra. Je vous laisse sur quelques images de l'épisode de la semaine prochaine, et je vous dis à très très vite.